la sous-préfecture de Bao, une bourgade entourée d'une chaîne montagneuse. Bao a été à la une de toutes les publications des internautes comme quoi elle est passée sous contrôle du groupe terroriste. Ce vendredi 8 février 2019, il était 13h. Les fidèles se dirigeaient vers la grande mosquée de la ville pour leurs devoirs religieux. Les enfants en petits groupes s'amusaient et les femmes ménagères s'occupaient de leur quotidien. Ici, c'est l'unique moulin mis en contribution par les soldats pour servir la population locale et celle des villages environnants. Pour cette jeune fille, la journée a été clémente. Elle vient de livrer sa dernière marchandise à ses clients. La vie bat son plein. Bao vit et respire sous l'ambiance de ce moulin. Si au marché la vie tourne au ralenti, les hommes sont à la mosquée, nous confie ce jeune. Les femmes, quant à elles, sont actives devant leurs marchandises. Le sous-préfet de Bao s'est dit tout simplement surpris par les allégations mensongères de certains individus mal intentionnés. La localité de Bao n'a jamais été prise par les terroristes. Nous avons confiance en notre président Idriss Déby Itno et aux forces de défense et de sécurité. Tout ce qu'ils racontent sur les médias et Internet sont de purs mensonges. Je vous dis, de purs mensonges. La population civile de Bao, par la voix de son sous-préfet, exprime son soutien indéfectible au président de la République et à travers lui, les forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour pour la défense de la mère patrie.